tous et bienvenue sur Des harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de l'oracle des sons sacrés, pratique méditative issue du Japon ancestral qui a été créée par Angélique Reff et Anthony Reff. Il est aux éditions Le Courrier du Livre, voyez, dans une boîte principalement dans les tons de blanc et rouge. Une belle boîte en dur, évidemment, qui s'ouvre comme ceci. Nous y avons un livre d'accompagnement. Oui, c'est quasiment un livre. Voilà, en couleur. On a un joli pochon en satin rouge. Ça change un peu. C'est sympa. L'intérieur de la boîte est blanc et il est au prix de 27 euros. Alors, nous avons les cartes avec une tranche argentée et voici le dos que j'aime beaucoup, beaucoup. Relativement épuré puisque nous n'avons que du noir, du blanc et du rouge avec ce soleil levant rouge, mais j'aime beaucoup, il est très apaisant. Je trouve. On regardera les cartes après. Regardez un petit peu le livre d'accompagnement. Donc ça, c'est encore un oracle qui fait partie de mes achats compensatoires, mais que néanmoins, je voulais acheter depuis déjà un certain temps, puisque depuis que je l'avais vu sur la chaîne d'Oflane à la cour des oracles. Cet oracle m'avait vraiment beaucoup appelé, notamment par la pureté des illustrations, par ces aquarelles qui me plaisent beaucoup, par ce côté un peu épuré, le fond blanc avec juste l'aquarelle, et ce côté un petit peu du Japon, qui m'emmène dans une certaine sérénité. Je ne suis pas nécessairement... c'est pas que je ne suis pas fan du Japon, c'est... je m'y intéresse comme ça, ce n'est pas c'est pas un sujet que je creuse au quotidien, très 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 loin de là. Mais il y a des choses que j'aime bien, qui viennent de là, et notamment cette espèce de sérénité. Et pourtant, malgré tout, je n'ai pas nécessairement prévu de faire un voyage au Japon durant ma vie. Voilà. Alors, l'oracle des sons sacrés. Donc, il date de 2022. En fait, il a été créé en 2021, apparemment, puis en 2022 au courrier du livre. Donc, peut-être que c'est un oracle qui est d'abord sorti en auto-édition, je pourrais vous dire, je n'en sais rien. Donc, on a un sommaire, toujours avec une dominance de rouge et de blanc, comme vous voyez. Donc, une introduction, déjà sur le Japon, avec une police d'écriture très lisible, donc ça, c'est sympa. On nous explique aussi... que nous avons pour les cartes des petits poèmes qu'on appelle des tanka et qui sont donc composés de 31 syllabes découpées en 5 lignes. Voilà, et donc proclamer ces poèmes permet d'entrer en résonance avec les sons sacrés qu'ils contiennent, reconnecter l'inconscient au conscient, le matériel à l'immatériel et ainsi rétablir l'harmonie et l'équilibre originel. Bon, c'est le genre de choses qui me plaît. Donc les bienfaits de la pratique de Kototama. Donc voilà, on nous dit quels sont les effets bénéfiques que l'on peut retirer de la prononciation de ces sons. Et puis ensuite, il y a donc
le bénéfice des sons sacrés, mais on a un deuxième message qui est une pensée philosophique ou une leçon de vie. Et donc là, on parle des leçons de vie. Ensuite, les sons sacrés associés au Reiki, les gardiens du son, puisque apparemment, dans la pratique ancestrale des Kototama, elle était réservée aux initiés et qu'il y a donc des gardiens du son. On nous explique ce que c'est. Les Kototama. On a les cinq principes du Reiki. Alors, un art réservé aux initiés? Point d'interrogation. Donc voilà, je pense que ça veut dire que chacun peut se l'approprier. Alors, extrait de la stèle commémorative de Mikao Usui au cimetière du temple de Seyo. Donc, sur le Reiki, une méthode de tirage. Ensuite, s'accorder au son sacré. Règle de prononciation. Donc, à la fin du livret, on a un QR code à flasher pour que l'on puisse arriver à un endroit où sont enregistrés les fameux petits poèmes. Et donc, on pourra les reproduire fidèlement. Donc, on entend Yumi prononcer chaque jiosei rapidement, puis ligne par ligne. Et donc, on peut, avec le temps, de les répéter après elle. Et donc on peut écouter l'audio autant de fois que nécessaire et lire le poème sur le livret en même temps. Et puis elle nous donne quand même des règles de prononciation. Et puis nous en arrivons aux cartes. Donc on a la reproduction de la carte, on a le poème, on a la traduction du poème, je suppose, et puis on a ce fameux message philosophique. Et ça, on l'a donc pour chacune des cartes. Alors, ici... On a une bibliographie, on a l'autrice et l'illustrateur, donc on a ici Angélique Reif, ça doit être elle qui a écrit le petit oracle, comment c'est, sur les principes du Reiki, je ne sais plus son titre exact et je l'ai, mais je n'ai pas là sous la main, il est à l'étage. Mais je pense que c'est elle qui l'a écrit. Ensuite, on a Anthony Reif, qui est donc illustrateur. Donc ça, c'est lui qui a fait les illustrations. Et puis, nous avons le mot de Yumi, qui... Donc, elle prononce les petits poèmes et donc elle est japonaise à la base et puis apparemment s'est mariée avec un Français et habite maintenant en France, en Alsace.
Ensuite, nous avons des remerciements. Et puis, bah, le fameux code qui vous permet d'accéder à la prononciation des sons sacrés. Et puis, bah, nous allons regarder les cartes, bien entendu. Donc, je vous ai déjà montré le dos et la tranche. Je vous remontre rapidement. La qualité est très bonne. Les cartes sont très, très, très épaisses. Elles sont mates. Mais elle glisse bien. Pour des cartes mates, elle glisse bien. Ici, le jeu est nouveau, il n'a jamais servi. Je l'ai acheté neuf et je ne m'en suis pas encore servi. Puisque j'ai voulu d'abord tourner les présentations avant de m'en servir. Alors, nous avons la lune, gratitude. Le vent et les feuilles mortes. Façonnage quotidien. Responsabilité journalière. Amitié. Les illustrations sont vraiment, vraiment, vraiment superbes. La vague. La famille. Le cœur, avec cette fameuse technique dont j'oublie toujours le nom, mais qui consiste à réparer les objets avec de l'or, et donc ils prennent encore plus de valeur réparée que quand ils ne l'étaient pas. C'est très chouette, j'aime beaucoup cette idée. Le remède. Éducation, fleurs sur l'eau. J'aime bien parce que les intitulés des cartes me font aussi penser un peu au haïku. L'entretien de la perle. Le chemin. Respect familial. Mauvaise herbe. Le diplôme. C'est bien l'idée du pont pour le diplôme. L'œillet superbe. La cascade. Vous vous doutez bien que j'adore cette carte. Avec l'eau, je ne peux que aimer cette carte. Les plantes rampantes. Calligraphie. Le sommet. Humilité. C'est des tuiles de mahjong, ça. Qu'est-ce que j'ai pu jouer un mahjong il y a quelques années de ça dans ma vie? Bon, virtuellement, hein, d'abord sur l'ordinateur et puis après en application sur mon téléphone. Mais j'ai passé des heures à jouer au mahjong. Vérité quotidienne. Philosophie. Le long du fleuve. Superbe. Philosophie nacrée. Les aînés, plaisir quotidien. Bon, on y est presque, on était là, je vous tourne la vidéo, on est le 19, à mon avis elle sera en ligne, qu'on saura en été, donc oui, un petit plaisir quotidien. Le sentier étroit. L'horloge, cœur d'enfant, le son du foyer, entretien journalier,
l'éphéméride, confiance, la volonté, la mer, résilience, le miroir, apprentissage, la lignée, et c'est la dernière carte. Donc 42 cartes. Voilà pour la présentation de l'oracle des sons sacrés d'Angélique et Anthony Reif aux éditions Le Courrier du Livre, qui est donc un groupe de chez Trédaniel. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Je ne sais pas, on ne l'a pas vu énormément ce jeu. Il est particulier, c'est vrai. Il est particulier, mais je n'ai pas vu beaucoup passer. À vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.